Salut à tous et à toutes, hein, c'est Bestie. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la Frapsolus, enfin d'une sorte de Frapsolus de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Donc on va passer au combat suivant. Donc dans la dernière vidéo on avait fait un petit combat avec Gaara contre Deidara, hein, qui était assez spectaculaire on va dire. Hop, et maintenant on va faire un nouveau combat de boss, qui celui-là, je ne me rappelle plus trop c'est lequel. C'est voilà, Sakura vs Sasori. Donc c'est parti. Hop. Donc là on va contrôler Sakura. Sakura, bon, qui est un personnage assez fort de l'anime, mais au niveau combat, bon. Il y en a qui l'aimeront, qui l'aimeront pas. Moi, je l'aime moyen, on va dire. C'est pas mon kiff de jouer avec Sakura. Condition bonus. Utiliser une attaque de soutien 4 fois. On va essayer de faire cette condition bonus en attendant. On va commencer le combat. C'est parti. Voilà, alors on va direct commencer, hein, les... Hop. Donc ce que je vous avais pas dit dans les dernières vidéos, vous voyez la barre qui se trouve à gauche du prénom de Sakura qui se remplit au fur et à mesure qu'on appelle Putain, je suis en train de me faire laté. Connard. Donc là on va rentrer en mode QTE. Donc bah on a déjà battu sa marionnette, vous voyez que le terrain vient de changer. Par contre je sais pas si je réussirai à avoir le facteur secret. Hop, sauf que là... faut appuyer sur rond, voilà. Voilà. Hop. Ah oui, c'est vrai, je m'étais trompé de bouton. Donc vous voyez que quand vous marchez dans la limaille de fer, votre vitesse est diminuée. Hop. Donc là, il faut juste qu'on arrive à esquiver. Alors pour moi je vais faire ça, parce que sinon ça va être la galère. Je peux appeler. Hop, voilà, donc déjà j'ai réussi. Merde. Ok. Ok, d'accord, bon j'ai pas trop compris ce qui venait de se passer. J'ai juste rechargé mon chakra et je me fais défoncer la tronche. C'est magnifique, c'est super, j'adore. Hop. Donc en fait à chaque fois faut faire ça pour le déloger et réussir à l'atteindre. Hop,
Donc là, il va retourner sur son petit pilier. Voilà. Là, je vais essayer de tout esquiver. Hop, on recommence. Hop, on va rentrer en mode QTE. Déjà j'ai le facteur secret. お前の覚悟はそんなものか。大切な人を守るため負けられない。よし。 Voilà, condition bonus réussie. On a réussi le combat, tout va bien. Hop, même tête, un petit rang S. Attention, on va voir ça. Hop, hop. Ouais, un petit rang S, bien évidemment. Parce qu'on est des ouf. Donc, voilà. Hein, le combat suivant, ça sera pour une prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous. Et à la prochaine pour un nouveau combat. À plus tout le monde.